tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avec les petites images que vous avez vues juste avant, vous avez peut-être deviné de quoi il s'agit. Je me lance dans un challenge qui est le challenge 7 jours, 7 livres et donc pendant une semaine je vais me filmer en train de lire tous les jours parce que dans l'idéal j'aimerais lire un livre par jour. Donc pour commencer cette petite vidéo qui est un petit peu un vlog et une vidéo mélangée, je vais juste vous montrer chaque livre que je compte lire. Après vous aurez chaque jour bah voilà des petites images de mes lectures, mon avis sur l'avancée du livre et à la fin de la journée quand j'ai fini le livre j'espère, je vous donne mon avis détaillé sur le livre, comme ça ça vous fait une petite chronique par jour, mais le tout dans une seule vidéo. C'est simple, j'ai fait une petite sélection de livres assez courts qui font gros maximum 200 pages. Et en fait pourquoi je me lance ce défi, si vous me connaissez assez bien vous savez que je n'aime pas du tout enchaîner les lectures, que j'ai toujours besoin d'un temps de repos entre chaque livre et que je n'aime pas dévorer les livres. C'est vraiment pas des choses que j'apprécie spécialement, mais là je sais pas, j'avais l'envie de faire ce défi, je me suis dit tiens et si je le faisais pour voir un petit peu si je suis capable de faire ça et si je suis capable d'apprécier mes lectures et d'enchaîner comme ça, on va voir. Parce que comme je vous disais, moi je suis pas quelqu'un qui peut lire 24 heures non-stop, moi je lis une heure, puis une heure, puis une heure, mais je peux pas lire 4 heures, enfin... Donc là, il va falloir que j'organise mes journées pour pouvoir finir les livres à chaque fois. J'espère que je vais réussir le challenge. La cabane est en bazar parce que Madame Alaska dort dans le drap. Bref, je vous montre cette petite pile à lire. Il y a en premier, que j'ai déjà commencé ce matin et vous l'avez certainement vu sur les images, Touche-moi de Suzy Morgenstern, publié aux éditions Thierry Magnier dans la collection L'Ardeur, qui est une collection de romans érotiques destinés aux adolescents. On suit l'histoire d'un personnage qui est une adolescente et qui pense beaucoup beaucoup au sexe. Elle se demande si elle est normale. Elle s'appelle Rose et elle n'attend qu'une chose, c'est de rencontrer quelqu'un et surtout de savoir ce que ça fait de faire l'amour, de savoir ce que ça fait d'être aimée, de savoir ce que ça fait de désirer quelqu'un. Puis j'ai mis Coraline de Neil Gaiman, publié aux éditions Albin Michel, parce que je suis fan du film et que j'ai trop trop envie de lire le livre qui a inspiré le film. Je sais pas si vous aussi vous aimez le film, mais alors vraiment moi je trouve que c'est un film d'animation extra et qui fait trop peur. Et pour l'histoire c'est une jeune fille qui vit dans une nouvelle maison et qui va explorer un peu toute la maison et découvrir une porte, mais une porte qui va l'emmener dans un univers très bizarre, assez fantastique. Mais je vous en dis pas plus si vous avez ni lu le livre ni vu le film. Puis j'ai mis PLS de Joanne Richoux, publié aux éditions Actes Sud Junior. Et c'est l'histoire d'une soirée en fait, et on suit plusieurs personnages, plusieurs adolescents qui sont à cette soirée et toutes les émotions qu'ils peuvent ressentir. Et je m'arrête là parce que je n'en sais pas plus. J'ai mis Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieu, publié aux éditions Le Vélu. Et c'est l'histoire de Tom Cloudman qui a toujours rêvé de voler. Sauf que toutes ses performances devant Voltige finissent au sol et un jour il va rencontrer une femme, mi-oiseau, qui lui propose de le transformer en oiseau, mais ce ne sera pas sans conséquence. Mystère, mystère. Les livres de Mathias Malzieu sont toujours très courts. Un Amélie Nothomb, parce qu'on ne peut pas faire une pile à lire de petits livres sans mettre un roman d'Amélie Nothomb, évidemment. Cosmétique de l'ennemi, parce que vous êtes beaucoup à m'en avoir parlé, donc je me suis dit, allez, celui-ci je l'ai dans ma pile à lire, donc je me lance. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est une histoire de crime ou quoi. Mais je suis pas très sûre parce que comme d'habitude avec Amélie Nothomb, on ne sait pas de quoi ça parle. Puis Vanda de Marion Brunet, publiée aux éditions Albin Michel. Vanda c'est une fille qui vit seule dans un cabanon au bord de l'eau avec son fils Noé. Et elle adore son fils, il y a vraiment un amour fou entre eux jusqu'à ce que le père de l'enfant, Simon, revienne après 7 ans d'absence. Et on sent qu'il y a un passé difficile et que Vanda a vraiment du mal à contenir toute la rage qu'elle ressent. Et enfin, L'étrange malaventure de Mirella de Flore Vesco, publié aux éditions L'École des loisirs. Et c'est l'histoire du Moyen-Âge, des rats qui ont envahi la paisible bourgade d'Amelin. Sauf que ce n'est pas l'histoire qu'on connaît avec le joueur de flûte qui va noyer les rats en musique ainsi que les enfants. Non, non, Mirella, elle a compris que c'était pas la vraie histoire et que c'était bien pire et on découvre cette histoire dans ce livre. Flore Vesco a un style toujours fabuleux, donc j'ai hâte de le découvrir et ça fait 10 000 ans que je dois le découvrir. Voilà pour cette petite pile à lire, j'espère que cette petite vidéo vlog challenge 7 jours 7 livres vous plaira, j'espère que je vais réussir. Dites moi en commentaire avant de regarder la vidéo si vous pensez que je vais réussir. Est-ce que vous avez des espoirs en moi? J'ai commencé par Touche-moi qui fait 215 pages, donc qui est un livre voilà qui parle beaucoup de sexe et de questionnements qu'on se pose à l'adolescence. Le personnage principal s'appelle Rose et sa particularité c'est qu'elle est albinos et elle est vraiment persuadée qu'avec son physique elle n'arrivera, enfin c'est pas qu'elle est persuadée qu'elle n'arrivera jamais à être aimée, mais elle a beaucoup de doutes, elle a beaucoup de craintes, elle se pose beaucoup de questions. Et en plus, elle a l'impression qu'elle pense tout le temps au sexe et elle se demande si c'est normal à l'adolescence d'y penser tout le temps. Parce qu'au final, elle en parle pas avec ses copines, elle en parle pas avec ses frères et sœurs et elle en parle pas avec ses parents. Et c'est vrai que pour l'instant, j'apprécie beaucoup l'histoire. Je trouve que c'est super qu'il y ait des collections de livres qui parlent de sexe et de ce qu'on pense à l'adolescence. Parce que c'est vrai que si on lit pas de livres là-dessus, bah parfois on peut peut-être avoir l'impression d'être tout seul à penser à ça et à se poser 20 000 questions bizarres. Mais ce n'est pas le cas. J'en suis déjà à la page 65 et là je vais travailler et je reprendrai ma lecture. Je vais essayer de lire un peu ce midi et un peu ce soir pour le finir dans la journée. Après
avoir mangé dans mon canapé, eh bien je suis avec très chère Alaska qui me suit partout comme un petit chien. Je me consacre une petite demi-heure, petite heure à la lecture. Donc je vais avancer un petit peu et je vous retrouve juste après. D'avoir la motivation de travailler quand on a un chat à côté qui ne fout rien de la journée. J'en suis à la page 225, non 125 sur 215, donc il m'en reste 90, j'ai lu plus de la moitié. C'est chouette parce que je pense que je vais relire un petit peu vers 17h peut-être dehors au soleil, donc je vais peut-être soit le finir cet après-midi en fin d'après-midi, soit le finir ce soir avant de dormir. Et vraiment c'est une bonne lecture pour l'instant, ça reste une bonne lecture, je suis pas à fond. Je pense que le personnage principal, Rose, elle est assez attachante, mais je sais pas comment dire, son caractère n'est pas un caractère avec lequel j'accroche particulièrement. Ce qui fait que, en effet, c'est pas mon livre préféré de tous les temps, mais c'est une bonne lecture et je trouve ça intéressant, voilà, d'aborder le sexe à l'adolescence, d'aborder toutes les questions que Rose se pose, et je pense que pas mal d'adolescents peuvent se reconnaître en elle. Elle a l'impression d'être complètement obsédée, quoi, alors qu'en fait c'est pas tant ça, c'est juste qu'elle y pense beaucoup parce que ça l'intrigue et qu'elle est super curieuse, et du coup voilà, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Puis bon, aussi plein d'autres questions très intéressantes dans ce livre, donc je suis assez contente de ma lecture et je suis contente de découvrir la collection L'Ardeur, mais ça me donne d'autant plus envie de lire les autres titres de cette maison d'édition parce que je pense que voilà, ça aborde avec justesse et originalité toutes les questions qu'on se pose à l'adolescence sur le sexe. C'est maniaque, donc je range assez souvent ma cabane et à chaque fois que je range ma cabane, que je remets bien le plaid, eh bien il y a madame qui débarque. Je crois qu'elle aime bien quand c'est rangé elle aussi, n'est-ce pas? J'ai choisi ma petite pochette à livres, bon, même si ça ne sert à rien vu que je ne vais pas sortir de la journée. Si, peut-être faire un footing, mais c'est tout. Donc c'est ma petite pochette qui vient de Envolée Littéraire, une petite boutique trop chouette de Chloé, mais je vous les ai déjà montrées dans ma dernière arrivée livresque. Elle est trop jolie. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de rose, mais je fais ce que je veux. J'aime le rose, ok. Vous allez rire, mais ce matin je regardais le vlog de Bim Bam Books Christiane, parce qu'elle a fait le 7 jours 7 livres. Il y a plein de booktubeuses qui ont fait le challenge 7 jours 7 livres. Il y a Louise de Rêve ta vie en lecteur, Emma de la Bouquinade et Christiane de Bim Bam Books, et du coup je le regardais un petit peu ce matin, je l'ai pas encore fini, mais en fait quand je l'ai regardé, elle est allée faire un footing et du coup je me suis dit tiens, faudrait vraiment que je fasse un footing dans pas longtemps et tout, et vu que ma semaine va être chargée je me suis dit bon bah vas-y, faut que j'aille aujourd'hui et tout. Donc en fait dans un vlog de livre j'étais influencée pour faire du sport, ça n'a aucun sens. Bref, je vais me laver et ensuite je vais continuer un peu ma lecture et puis bosser un petit peu à côté et tout. C'est ça qui est cool en freelance, mais je vous ferai bientôt une vidéo sur une semaine de freelance avec moi, peut-être pas une semaine mais plusieurs jours en tout cas. Est-ce que vous avez remarqué que je suis assortie à mon livre, je suis rose, vraiment quand je fais du sport, pendant une demi-heure je suis rouge tomate, c'est un truc de fou. Il est 18h15 et je suis déjà en pyjama parce que... en fait, il y a un truc trop bizarre. Quand je fais du sport à 17h, ça me paraît logique que après, quand je prends ma douche, je me mets en pyjama parce que c'est pas l'heure de mettre une autre tenue si je ne sors plus. Sauf que je peux vous dire qu'Alex, il va bien se foutre de ma gueule quand il va rentrer. Surtout que là, j'ai envie d'aller lire dehors pour faire sortir un peu Alaska parce que sinon, elle va me casser les bonbons. Donc, je vais me mettre dans mon escalier en pyjama. L'apéro, quoi. Donc nous on se repose, mademoiselle, bonjour. Elle est sur son petit couffin sur le radiateur, trop mignonne. Tu regardes les pigeons? Bah ouais. Ah, un pigeon. Regardez ce qu'elle regarde toute la journée et regardez le nombre de caca de pigeons qui tombent dans mes jardinières. L'enfer entre les plumes et le caca, il n'y a plus rien qu'à pousser. Sur le top de la luminosité ce soir, je pense que vous allez très souvent avoir des images de moi le soir étant donné que je vais très souvent finir les livres
le soir, je pense. En tout cas, je viens de terminer Touche-moi. Je trouve ça trop chouette, ce système de vlog 7 jours, 7 livres un petit peu. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais je trouve ça chouette parce que je vous donne mon avis vraiment sur le vif en fait. Et j'avais jamais fait ça. Là vraiment, je l'ai fini il y a 20 minutes et je vous dis ce que j'en pense tout de suite. Je vais juste essayer de pas être trop longue. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un livre que j'ai bien aimé dans l'ensemble. Il se passe beaucoup de choses en pas tant de pages que ça. Il fait que 215 pages. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements et du coup, j'avoue que vers la fin du livre, je m'étais vraiment attachée à tous les personnages. Il y a beaucoup de personnages et je trouve ça étonnant parce que c'est rare que moi, enfin vous me connaissez, 200 pages c'est pas beaucoup et du coup j'ai du mal à m'attacher au personnage. Et là c'est vrai que ça m'a assez marquée. Je sais pas si ça me restera en mémoire, c'est pas une lecture exceptionnelle, mais c'est une très bonne lecture au niveau du sujet, comme je vous disais, du côté un peu érotique, sexuel du roman et des questions qu'on se pose à l'adolescence. Et sur le reste, c'est vraiment une bonne lecture. J'ai juste eu quelques petites maladresses, vu que c'est un livre qui parle beaucoup de sexe et tout. Quelques petits trucs qui m'ont un petit peu dérangée, mais vraiment c'était léger. Et sur tout le reste du roman, ça se rattrape vraiment parce que voilà, là, ça aborde le sexe de manière juste... pur et dur, genre quand on a 14, 15, 16, 17 ans, on se pose plein de questions, on a envie de plein de choses, on est curieux et c'est vraiment typiquement ce qu'on lit là-dedans. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira si vous le lisez. Je suis très contente d'avoir enfin lu un livre de la collection L'Ardeur chez Thierry Magnier, qui est une nouvelle collection où tous les livres sont justement sur le sexe et destinés aux adolescents. Je ne sais absolument pas lequel de tout cela je vais lire demain, juste alors que je m'organise parce qu'il y a des jours où je vais être beaucoup plus dispo que d'autres. On verra. On se retrouve demain, je vous souhaite une bonne nuit si vous arrêtez ce vlog maintenant pour aller dormir comme moi, même si je ne pense pas. Et merci de m'avoir suivi pour ce jour 1. Je suis en pyjama. Non, en vrai, c'est parce que je vais commencer à lire tout de suite et je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu directement. Il fait super moche, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec la même luminosité qu'hier soir. Et surtout, je dois tourner deux vidéos ce matin. Je ne sais pas comment je vais faire parce qu'il fait vraiment moche. Nous sommes le jour 2, je vais en lire un deuxième. J'essaye de réfléchir à ma journée. Et en fait, je pense que je vais lire Coraline. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de boulot, donc là, je vais juste lire un peu ce matin. Et je pense qu'après, ce soir, je vais boire un verre avec une copine à Paris. Et du coup j'ai 20 minutes de RER à l'aller et 20 minutes au retour, donc 40 minutes de lecture, je pense que ça peut me faire pas mal avancer, sachant que c'est écrit assez gros et que le livre ne fait que 170 pages. Donc 170 pages, ça peut le faire. Elle est vraiment en train de se lécher les fesses devant vous. T'as cru quoi là? De la télé-réalité madame? On fait pas des choses comme ça devant tout le monde. La page 60 sur 170, donc c'est ce que je vous disais. Là je vais certainement pas relire avant le RER ce soir, donc vous n'allez pas spécialement voir toute ma journée ou quoi, parce que faut que je tourne deux vidéos, faut que je fasse une photo, faut que je fasse du montage, donc c'est une journée très chargée. Pour l'instant j'aime bien, j'avoue que je me souviens pas tout du film, donc c'est cool, même si je me souviens de pas mal de choses, mais je crois que je me souviens juste de la base et pas des détails, donc c'est cool parce que je replonge un peu dedans. Après c'est plutôt un conte, vous voyez, donc c'est quand même plutôt destiné aux enfants un peu, mais j'aime bien quand même, ça fait voyager, c'est intriguant. Bref, c'est une bonne lecture et là bah, je vais aller m'habiller tout ça parce qu'il faut que je travaille, il faut que je filme des vidéos, ça va être long et en plus il fait moche. Je viens de passer 1h30 à tourner deux vidéos et je suis explosé. À chaque fois que je tourne des vidéos, j'ai super chaud et tout. Du coup, je vais pas lire ce midi, je pense. Je lirai ce soir dans le RER, comme je vous avais dit. Et ça va être une journée de boulot, boulot, boulot. Voilà. C'est parti pour aller voir ma copine à Paris. Donc, je vais lire dans le RER. J'ai trouvé une luminosité encore plus foncée que la luminosité de ma cabane. Il est actuellement 21h54 et il me reste... j'en suis à la page 115 sur 170 qui fait qu'il me reste 55 pages, donc je vais essayer de les lire maintenant juste avant de dormir. Du coup je suis dans ma chambre qui est
à l'étage, que vous ne voyez pas très souvent parce que bah en fait c'est un lieu de dodo et de bureau. Donc c'est vrai que c'est pas l'endroit où je suis le plus souvent. Ma cabane étant privilégiée. Vous avez une très chère Alaska juste ici qui guette. Terminé Coraline que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous connaissez le film, mais moi j'adore le film. Je suis complètement fan. C'est un dessin animé que je trouve trop bien, flippant mais en même temps tellement beau et magique quand on le voit un peu à la Alice au pays des merveilles. Il y a beaucoup plus de détails que dans le film, donc je trouve ça très chouette. Faudrait que je le revoie pour voir parce que ça se trouve il y a des trucs qui sont dans le livre. Et dans ma tête, c'est pas dans le film, mais peut-être que ça y est et que je m'en souviens plus, je ne sais pas. En tout cas, si c'est un livre qui vous donne envie, bah écoutez, n'hésitez pas. C'est vraiment onirique, un peu magique, un peu féerique, mais assez sombre aussi. Et j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui plaît à tous les âges, je pense. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Il est 22h33, donc il est déjà trop tard pour moi, il faut que je dorme. Je vous retrouve demain pour le troisième livre du challenge. Pour l'instant, je réussis mon challenge, je suis très contente. Je n'aurais pas pensé de ça de moi, parce qu'hier, j'ai quand même lu un livre de 215 pages. Et aujourd'hui 170 pages, je suis très contente. Demain c'est une journée très chargée, vous aurez peu d'images de ma journée ou alors des petites bribes parce que je veux pas trop vous spoiler parce que c'est un projet qui sortira un peu plus tard sur ma chaîne. Mais du coup demain je vais lire un livre très court parce que j'aurai pas beaucoup de temps pour lire, donc faut que je réussisse mon challenge pour le jour 3. Bonne nuit. Le jour 3 du challenge 7 jours 7 livres, donc j'ai réussi les deux premiers jours. Je pense qu'aujourd'hui je vais réussir parce que j'ai choisi PLS qui n'a que 95 pages, donc ça devrait le faire. J'ai une journée super chargée, je vous mettrai quelques images mais vraiment très brève de ma journée parce que je veux pas trop vous spoiler. C'est un projet qui sera posté sur la chaîne en octobre, donc voilà. Sauf que c'est un projet extérieur et qu'aujourd'hui, pile aux horaires où je suis censée vraiment filmer des trucs en extérieur et tout, il pleut des cordes. Donc vraiment, je sais pas trop ce que ça va rendre. Ça me déprime un petit peu, je vous avoue. Je voulais décaler, mais en fait, la semaine prochaine, il pleut toute la semaine, donc je me suis dit, laisse tomber. J'ai dit que je le faisais là, j'ai organisé auprès de personnes et tout, donc tant pis. Voilà, c'était pour que vous ayez un petit peu les coulisses de ce projet qui sortira. Vous saurez que quand je l'ai prévu, bah je savais déjà qu'il allait pleuvoir quoi. C'est pour ça que je me suis fait ma petite coupe avec mes petites tresses là. Parce que si je me laisse mes cheveux détachés, autant vous dire que ce soir vous me retrouvez avec la coupe de Alex le Lion dans Madagascar. Bref, PLS, c'est une histoire qui a l'air de parler d'une soirée entre adolescents. Il n'y a pas vraiment de résumé, donc je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Du coup, rendez-vous peut-être ouais, ce soir, je pense, parce que du coup, je vais le lire un peu là ce matin. Et puis dans le RER, je pense que je le terminerai. Donc voilà. Pages sur 90 je crois, et bah pour le moment je trouve ça, enfin c'est assez prenant. Après vous le savez, moi je suis pas très livre court, je vous le dis souvent, c'est pour ça que ce challenge est d'autant plus challengeant pour moi. Déjà je dois lire un livre par jour alors que je n'aime pas lire beaucoup par jour, ensuite je n'aime pas passer rapidement d'un livre à l'autre et là je suis obligée, et en plus je suis pas fan des livres courts mais là je dois lire que ça. Mais je trouve que Joanne Richoux elle réussit en tout cas à nous emporter vraiment, en fait on est à l'intérieur de la tête d'un des personnages et du coup je trouve que ça nous emporte assez rapidement. Donc là j'en suis à la moitié presque, je vais arrêter, je vais travailler un petit peu avant de partir faire mon projet tournage toute la journée. Il se peut que vous voyez des personnes de BookTube, Bookstagram dans mon petit périple de la journée. En tout cas je vous donne des news de PLS et vous allez voir un peu si je le lis dans le RER, tout ça, dans les métros parce que je vais beaucoup prendre le métro aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette folle journée
enfin vous verrez, en fait là vous allez voir le vlog, c'est dur 7 livres, challenge, tout ça, et ensuite vous verrez plus tard la vidéo que j'ai tournée aujourd'hui. J'ai réussi à finir PLS, ça m'étonne pas parce qu'il faisait 90 pages, donc en l'occurrence pas très long. Vous savez que j'ai du mal avec les livres très courts, sauf que PLS je l'ai trouvé très bien écrit, dans le sens où vraiment je trouve que le personnage, déjà je pense qu'on s'identifie pas mal à lui, l'adolescence, les soirées qu'on peut vivre à ce moment là où il se passe plein de choses dans nos têtes, l'alcool, tout ça font qu'on ressent plein d'émotions différentes, contradictoires, enfin bref. Et ça j'ai trouvé ça super bien fait, mais en plus il y a une intrigue en plus que j'ai trouvé assez bien menée par l'autrice, donc voilà, c'était une bonne lecture, une bonne surprise. Je m'attendais pas à trouver ce livre aussi bien, parce que comme je vous disais, j'ai toujours un peu des a priori sur les livres courts. Ils peuvent être très bien, mais souvent j'ai du mal à me dire waouh, c'était la lecture de ma vie et tout, d'où le fait que j'avais un peu peur. Donc voilà, je suis très contente, je sais pas du tout ce que je vais lire demain. Demain, j'ai une journée. Bah, en fait, demain, j'ai énormément de boulot parce qu'aujourd'hui, j'ai été en déplacement toute la journée. Je sais pas trop. Faudrait que je lise un livre qui se lit en assez rapidement. Je sais pas si demain, ça va pas être le premier jour où je rate mon challenge parce que vraiment, je vais pas avoir le temps de lire beaucoup. Le soir, je prends le TGV pour aller dans le sud et je vous emmène avec moi pour continuer mon challenge. Ça dure 7 livres dans le sud, chez mes parents. Sauf que dans le train, j'ai le train de 20h à 23h30. Sauf que c'est l'heure où il y a Koh-Lanta. Donc, autant vous dire que je vais pas lire dans le train s'il y a Koh-Lanta en fait. Oui, je suis fan de Koh-Lanta. Et alors ? Voilà, je vous dis bonne nuit. Si vous arrêtez le vlog comme d'habitude, même si en fait il y a que moi qui vais me coucher probablement. Et à demain pour une nouvelle lecture. Je suis au jour 3 du challenge et j'ai encore réussi mon jour 3. Donc, je suis trop contente. Bon, vous l'avez vu, je suis pas une grosse joueuse. C'est pas des livres de 400 pages, mais de toute façon, j'aurais été incapable de lire des livres de 400 pages. Je me suis un peu apprêtée, mais je sais pas, j'ai un peu la tête dans le cul, hein. Bref, tout ça pour dire que c'est pas une journée où je me sens dans un mood où je vais être productive. J'ai bien l'impression que c'est peut-être le premier jour où je vais rater mon challenge. Je me suis dit que j'allais du coup me lancer dans Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieu. C'est un livre de 126 pages. Je m'assois parce que je suis fatiguée. Après la journée d'hier, je suis fatiguée. Comme je vous le disais hier, j'ai perdu beaucoup, entre guillemets, j'ai pas perdu du temps, mais en l'occurrence, ça m'a perdu du temps de travail que je vais devoir utiliser aujourd'hui pour faire d'autres choses. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais trouver le temps de lire, mais je me suis dit que j'allais me lancer dans un livre pas très long. Sauf qu'en vérité, quand c'est pas très long, mais qu'il y a beaucoup de trucs par page, et que c'est du Mathias Malzieu, et donc que c'est une écriture qui est quand même assez complexe, très poétique, mais du coup, qu'il faut être concentré. Je sais pas si je vais réussir. Pour l'instant, j'ai lu que 5 pages. Hein. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, mais j'arrive pas avec une seule main. Je voulais vous montrer qu'il est dédicacé. Voilà, trop stylé. C'est tout ce que j'avais à dire. Vous aurez quelques images de cette journée où je vais surtout travailler et je vais essayer de lire un petit peu ce midi, peut-être un petit peu ce soir. Faut que j'essaye de me reposer en lisant. Mais voilà, il y a des journées comme ça où on a des moods qui font qu'on n'a pas très envie de lire. C'est aussi pour ça que je me lançais dans ce challenge et aussi pour vous montrer un peu moi mes sentiments sur le fait de lire tous les jours. Je crois qu'on me donne parfois l'impression, en tout cas moi je sais que beaucoup de gens ont l'impression que je lis beaucoup, tout le temps, très vite. Et en fait je vais vous montrer que non, vous avez la preuve, je lis des livres de 90 pages par jour et c'est pas facile pour moi, c'est vraiment un défi. Donc ça vous montre que non, quand je lis un pavé de 400 pages en une semaine, bah c'est surtout que je trouve le temps de lire, mais je lis pas spécialement vite. Moi je connais beaucoup de bookstagrammeuses que j'adore, hein, et que j'admire du coup, qui lisent des pavés de 400 pages en une journée parce que quand elles sont passionnées par un livre, elles le dévorent quoi. Je suis incapable, mais vraiment incapable de faire ça, vraiment. Et je pense que je voulais aussi faire ce challenge pour vous le montrer et que ça vous déculpabilise un peu aussi, parce que beaucoup de gens sont un peu en mode « Oh, moi je sais pas lire vite et tout », mais en fait moi non plus je sais pas lire vite et c'est pas grave, ça ne fait rien. Et si jamais je réussis pas ce challenge de 7 jours 7 livres, c'est pas grave non plus, je vais m'en remettre et c'est aussi pour ça que je le faisais. Voilà, la minute philo est terminée, je vais aller travailler, j'ai plein de choses à faire et il faut que je prépare. Faut que je prépare ma valise et il faut que je lise un petit peu quand même si j'ai lu 4 pages pour l'instant. Je suis dans le sud, il est 1h du matin, donc en vrai on est déjà le jour. Je sais plus combien, le jour 5 du vlog. Oui c'est ça, mais bon là je vais dormir. J'ai pas réussi mon challenge encore, mais en vrai ça veut rien dire parce que si demain j'arrive à finir mon livre et commencer l'autre et tout, bon j'ai peu d'espoir, mais c'est tout jamais. Mais j'ai quand même bien avancé, j'en suis à plus de la moitié de Métamorphose en bord de ciel, donc voilà j'ai quand même bien avancé, je suis assez contente. En fait Koh-Lanta a tellement bugué dans le TGV que bah j'ai lu. Donc voilà, tristesse.
J'aurais préféré regarder Koh-Lanta, j'avoue, mais bon. Bref, je suis fatiguée, je vais me coucher. Mais vous voyez, cette journée n'est pas si catastrophique que ça niveau lecture. Et on verra demain si j'arrive à finir celui-ci et en commencer un autre. Mais là, en week-end dans ma famille, j'ai un peu de doute. Quoi qu'il y a la nif de ma sœur, donc si j'ai un peu la flemme, je vais lire. Bonjour. Bonjour, je suis sur YouTube. Oui. Super. Pas en direct par contre, je sais pas si tu connais un peu la technologie. Quoi, miaou? Tu dis bonjour à la caméra. Et pourquoi je suis dans le sud? Parce que c'est l'anniversaire de cet énergumène ce week-end. Bonjour, tu m'as mouillé. Alors on lui souhaite tous un bon anniversaire dans les commentaires. Ça voudra dire que vous êtes allé jusque là dans la vidéo. Je compte sur vous. Merci d'avance pour mon souhait d'anniversaire. Bisous. Oh, c'est encore mignon. On est même déjà dimanche, on est samedi soir et il est 1h30 presque, parce que du coup c'est la nuit de ma soeur aujourd'hui et encore demain. C'est pour ça en fait, tout ça pour dire que ça, enfin en fait ce challenge va être trop compliqué avec ce week-end en plein milieu. J'ai encore avancé dans ma lecture, mais il me reste encore 50 pages, donc on peut dire que j'ai pas super bien avancé. Donc je vais essayer de le finir demain matin et de lire un autre livre demain dans le TGV, et lundi d'en lire un dernier, et dans ces cas-là, j'en aurais plus que un qui serait pas bon. Je sais pas si vous avez vu, mais en plus aujourd'hui, la surprise pour mon master, c'est que ma mère m'a offert, je vous ai mis des images juste avant, ma mère m'a offert une sorte d'escape game Harry Potter dans un petit village paumé du sud de la France. En plus c'était très mignon parce que c'était un escape game mais vraiment tout fait maison et tout. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je pense à vous le mettre de cet escape game. Mais vraiment c'était trop chou, trop bien fait, très sympa l'ambiance, et de toute façon dès qu'il y a l'ambiance Harry Potter c'est trop bien. Donc voilà, c'était une bonne surprise et tout. Donc c'est pour ça que ma journée était assez chargée. Et là à 1h30 du matin j'ai pas très envie de lire. Honnêtement, j'ai juste envie de dormir. Sur ce, j'espère tout de même réussir. Après, en fait, vous voyez, c'est là qu'on voit un peu la complexité. C'est que les premiers livres que j'ai lus étaient simples à lire. Et Mathias Malzieu, c'est très poétique. Et du coup, je le lis beaucoup plus lentement. Parce que quand un livre est très poétique, mon esprit est moins rapide à la compréhension. Donc, si je pense à autre chose, par exemple, c'est impossible que je comprenne ma lecture. Alors que dans d'autres livres, quand on pense à autre chose, si on a raté une ou deux pages, c'est pas très grave. D'où le fait que Mathias Malzieu, c'est trop cool, mais c'est plus long. Mais après, pour mon... sachez que ma lecture est très agréable, que comme d'habitude avec Mathias Malzieu, c'est poétique, c'est magique, enfin bref, c'est assez extraordinaire et ça ne ressemble à rien ni à personne. Mais c'est ce qui fait tout son charme. Je retire ce que j'ai dit, je lis quelques pages avant de dormir quand même. Mais bon, quelques pages, parce que sinon ça va me faire des nœuds au cerveau. Ce matin, c'est un plaisir. Heureusement, j'ai ma petite Anna qui est avec moi pour me consoler. Je ne parle pas très fort parce que derrière ce mur, il y a ma sœur qui a fait la fête toute la nuit et qui dort encore. J'ai terminé Métamorphose en bord de ciel. Du coup, je vous en parlerai tout à l'heure quand tout le monde sera réveillé. Juste pour vous montrer que techniquement, il me reste 2 jours de challenge aujourd'hui et demain, sachant que j'ai terminé un livre aujourd'hui. Et il me reste 3 livres à lire encore. Donc, je pense que c'est impossible à réussir, mais nous verrons par lequel je continue. Dans la baignoire, vous avez déjà vu ça. C'est que c'est l'endroit où je ne vais réveiller personne, donc du coup je peux vous parler de Métamorphose en bord de ciel. C'est pas mon préféré de Mathias Malzieu, mais c'est quand même un très beau livre qui aborde des sujets
très intéressant par une multitude de métaphores, de poésie, d'imagination, de magie. Du coup, j'ai quand même trouvé ça très chouette. Comme d'habitude, c'est Mathias Malieu, c'est bourré de... Vous voyez, j'ai corné plein de pages, même si je sais, c'est pas bizarre, mais je m'en fiche. Pour avoir plein de citations, il y en a une multitude. J'ai commencé attentat dans mon bain. J'espère qu'il va me plaire. C'est Amélie Nothomb, donc on ne sait pas de quoi ça parle. Donc je vous dirai ça quand j'aurai fini. Il fait 100 pages et c'est écrit super gros. Je vais prendre le TGV ce soir, donc j'avancerai dans Cosmic City de l'ennemi que je n'ai pas fini pour l'instant, donc en l'occurrence c'est impossible que je le finisse, enfin que je lise deux livres aujourd'hui, donc en l'occurrence je pense que le challenge est d'avance raté, mais demain je ferai tout pour en lire encore un, pour en avoir lu 6 sur 7, ce serait pas mal. Je vous ai cette petite vidéo parce que je sais pas si ce soir à 1h du matin quand je serai dans mon chez moi enfin, est-ce que j'aurai la foi de vous filmer ou même est-ce que j'y penserai. Je ne sais pas, donc au cas où je n'y pense pas, je voulais vous faire un petit bilan sur celui-ci et que j'espère finir dans le TGV, mais je pense, hein, j'ai déjà lu 25 pages sur 120, donc ça se lit très vite et vraiment dans le TGV je vais avoir que ça à faire, donc voilà. On est lundi matin, le réveil fut difficile, vous vous en doutez certainement, étant donné que on est arrivé hier à 2h du matin chez nous. Dans le train, j'étais un peu fatiguée, donc je n'ai pas fini Cosmétique de l'ennemi dans le train. Je l'ai terminé ce matin en me réveillant dans mon lit parce que vraiment, je n'avais pas la foi de descendre, j'étais trop fatiguée et tout. Là, je crois qu'il est 9h du matin. Donc, encore une fois, c'est une journée où il faut que je bosse pas mal pour attraper un peu tout ce, le week-end, tout ça qui va se passer, tout ça, tout ça. Donc, clairement, le challenge ne pourra pas être réussi, hein, c'est impossible. Enfin, en tout cas, moi, je me le suis mis en tête dans le sens où je ne veux pas me forcer à lire toute la journée alors que j'ai plein d'autres choses à faire et que lire deux livres de 200 pages en une journée ne sera pas du tout quelque chose de plaisant, sachant que je viens d'en finir un. Ah oui, et d'ailleurs, pour vous donner mon avis sur celui-ci, Cosmétique de l'ennemi, il est très très... Enfin, moi je trouve qu'il est vraiment bien. Je pense que vous êtes beaucoup à m'en avoir parlé, il me semble, la dernière fois que j'avais abordé ce titre et tout. Et il est super... Enfin, en tout cas... Moi je trouve que ça c'est du pur Nothomb, c'est ce que j'aime dans Amélie Nothomb, ce que parfois on retrouve pas dans certains de ses livres, mais après en fait je pense que chacun apprécie certaines choses chez Amélie Nothomb différentes, en fait c'est propre à chacun tout simplement. Et moi dans celui-ci, enfin, justement j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que ça va assez loin dans la réflexion, dans l'histoire, et on rencontre en gros au tout début, le tout début de l'histoire c'est un homme qui décide d'aller dans un aéroport et de choisir sa victime. Et pour lui, c'est vraiment la victime parfaite. Il fait toujours des crimes parfaits. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Mais vraiment, j'ai trop aimé. Jusqu'à la fin et tout. Et encore, et en fait, je pense que ce que j'aime dans la Minotombe, c'est quand tout le livre est génial et qu'il n'y a pas que la fin qui est choquante. Parce qu'elle aime faire des fins choquantes, hein, ça c'est toujours le cas. Mais là, je trouve que c'est tout le chemin de pensée et toute l'intrigue qui évolue qui est trop bien. Donc voilà, je recommande ce Minotombe. Et merci de me l'avoir recommandé. Mais ça va pas, Laska ? Dis donc. Bah, viens. On en parle de ce qui s'est passé pour que je passe de tenue normale au tout début de ce vlog à combi pingouin à la fin de ce vlog. Il fait coucou. Coucou. Il t'a pas très envie. J'ai demandé sur Instagram quel livre vous vouliez que je lise et vous avez choisi L'étrange malaventure de Mirella, donc Vanda. Oula, ici, sera celui que je ne lirai pas. Sachez que le vlog se terminera ce soir, nous sommes le dernier jour de ce challenge, parce que j'avais commencé un mardi, nous sommes lundi, et vous allez l'avoir très vite le vlog, si j'ai la foi de le monter très vite, mais normalement c'est la vidéo de mercredi, donc normalement nous sommes mercredi aujourd'hui quand vous voyez cette vidéo. Je ne sais pas si j'arriverai à finir celui-ci aujourd'hui, je vais essayer de le lire un petit peu ce midi, un peu ce soir, parce que je vais boire un verre avec une copine, donc peut-être dans le RER. Encore une fois, comme je vous le disais, je vais pas me presser, je vais pas me mettre une pression de fou, parce que ça reste du plaisir avant tout, et je vous ferai un petit bilan de cette expérience ce soir pour vous dire voilà, est-ce que j'ai apprécié enchaîner les livres, est-ce que c'est un truc que je referais, donc voilà, j'ai hâte de vous en parler, mais d'abord il faut que je lise celui-ci. Partir de chez moi parce que, comme je vous disais, j'ai un verre à Paris et donc je vais emmener mon livre et lire dans le RER, mais je n'ai pas lu de la journée donc ça craint vraiment, enfin je crains vraiment en fait. Et c'est rigolo parce que j'ai commencé le montage de ce vlog, donc c'est-à-dire que je vois déjà des images du début de ce vlog et c'est trop drôle je trouve d'avoir tourné tous les jours un peu parce que bah ça rappelle des moments, bah voilà, des moments de la semaine dont je me souvenais pas spécialement, du coup je trouve ça mignon, voilà. Nous sommes lundi soir, il est 20h52 et je crains parce que clairement je vous disais que j'allais lire dans le RER et tout, mais en fait j'ai lu 20 pages sur 200,
220, 215. Donc autant vous dire que ce livre ne sera pas fini aujourd'hui. Donc mon challenge 7 jours 7 livres n'est pas réussi. En vrai, pendant un moment, j'ai cru que j'allais réussir. Puis il y a eu le week-end et évidemment bah, le week-end avec ma famille et tout, bah, c'est tout de suite plus compliqué. On pense toujours qu'on peut avoir le temps de lire mais et puis en fait des fois on en a juste pas envie. Je pense que ça m'a permis de... Au tout début je vous disais est-ce que je vais réussir à enchaîner les livres parce que vous savez que c'est quelque chose que j'aime pas spécialement. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, ma vidéo lire beaucoup égale lire bien, point d'interrogation. J'avais parlé de ça et en l'occurrence bah, je me rends compte que non c'est pas un truc qui me plaît. Là vous voyez celui-là, je l'attaque mais je me force et c'est pas bien. Du coup je sais pas si je vais le lire ou si je vais changer de lecture et le lire plus tard parce que je me suis tellement mis en tête que je devais le lire que du coup mon cerveau il est un peu en mode je me force, ça serait dommage voilà. C'était pour vous dire que au final bon j'ai quand même lu 5 livres hein, donc j'ai lu Ne me touche pas, Coraline, je les tiens donc n'importe comment, PLS, Métamorphose en bord de ciel et Cosmétique de l'ennemi. Donc j'ai quand même lu 5 livres sur 7 jours, je suis assez contente de moi. Ce sont des livres courts mais quand même je suis assez satisfaite. J'ai pu vous donner l'avis de tous ces livres en direct quand je l'ai terminé, donc je suis contente d'avoir pu faire ça aussi. C'était chouette parce que vous aviez les avis sur le vif. Malheureusement Vanda et L'étrange malaventure de Mirella n'ont pas été lus, ils seront lus plus tard évidemment, mais voilà, ça m'a montré que j'aimais pas ça d'enchaîner les livres, que j'aimais bien avoir des pauses entre les livres parce que j'ai du mal du coup si je suis dans un univers à plonger immédiatement dans un autre univers. Donc avec des livres comme Amélie Nothomb qui sont là c'est un peu une conversation, ce livre c'est un dialogue entre deux personnages, ça m'a pas dérangé de passer de Mathias Malzieu à Amélie Nothomb, mais en temps normal passer de Amélie Nothomb à un livre complexe comme celui-ci qui est écrit avec un langage un peu au Moyen-Âge, tout ça, trop compliqué pour moi. Là, je crois que j'ai besoin d'alterner des lectures simples, sympas, faciles à lire. Donc je pense que je vais me plonger sur ma pile à lire d'automne. Si vous n'avez pas vu ma vidéo pile à lire d'automne, n'hésitez pas, elle est en ligne. C'était quand même chouette, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ce challenge. Si vous me félicitez ou si vous me huez. je le referai pas, hein, mais je trouvais ça chouette de le faire une fois. C'est compliqué en plus de filmer tout le temps, d'y penser. Mais en même temps, c'est assez chouette, hein, ça permet de revoir des moments de ma semaine, voilà. Donc je suis assez contente. J'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Désolée de pas avoir réussi, mais bon, j'avoue, je m'en doutais un peu. J'avais peu d'espoir sur le fait que je réussisse à lire 7 livres en 7 jours. Ça ne me ressemble pas. Et encore, dites-vous qu'il y en a qui lisent des vrais livres de 300 ou 400 pages dans ce challenge. Mais comment font ces personnes? Mais après, voilà, c'est propre à chacun. C'est tant mieux pour elles. Moi, c'est juste que c'est pas du tout mes habitudes de lecture et donc je n'y arrive pas. Dites-moi si vous serez capable de le faire. Si vous l'avez fait, si vous voulez le faire, bah, parlez-moi-en. Ça me fera très plaisir. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et merci d'avoir regardé ce challenge non réussi. Mais quand même, c'était chouette.